Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors aujourd'hui c'était la journée du bricolage, donc c'est pour ça que Jean-Luc Reichmann avait cette tenue un peu bizarre. La maîtresse de midi, 315 000 des poussières, gna gna gna. Ah ouais, alors, oh, franchement, j'ai trouvé, mais alors, c'était dire, hein, en passant. On a pu voir que c'était monsieur Jacquemart du 59 qui avait gagné la vitrine. Félicitations. Au coup d'envoi, la première question. Quel est le nom de famille du François incarné par Jacques Villeray dans Le Dîner de Cons? Donc, bon, c'est François Pignon. Ensuite, vous aviez, je ne sais plus son prénom, bah, il était tout seul. Je crois que c'était Fabien, je ne suis pas sûr, qui était, voilà, donc, bon, il avait un accident de moto. 60% des Français déclarent avoir pris du poids depuis le Covid. Bah, c'est vrai en plus. Et ben non, c'était parce qu'ils étaient en couple. Bon, bah, pourquoi pas. Après, vous aviez ça rouille. Bah, il n'y a pas son prénom. Donc, ça rouille. Qui était venu avec ses enfants, qui s'appelait Haute et Pyrénées. Voilà. Alors, la question pour Sarouy, quel Belge dit être une jolie go d'après son dernier single, c'était Shy. Ensuite, vous aviez Clément. Vous savez pourquoi je le sais? Parce que c'est écrit là, qui était venu avec sa grand-mère et sa maman pour Clément. Qu'est-ce qu'il ne faudra plus rater si le projet de taxe lapin est adopté? Eh bien, c'était le rendez-vous chez le médecin. Pour la maîtresse de midi, quelle ville française donne son nom à un film de Christopher Nolan? Donc, bien sûr, c'était connu, c'était Dunkerque avec Harry Styles. Ensuite, quand ils étaient ados, qu'est-ce que Johnny Hallyday a piqué à Eddie Mitchell la première fois qu'ils se sont vus lors d'une surprise partie? Ça, c'est une histoire qui était hyper connue, donc c'était un disque, hein, voilà, de rock américain. Et puis, bon, bah, Jean-Luc Reichmann a montré une photo de sa compagne avec Johnny Hallyday. Qu'est-ce qu'il a foutu avec lui? Bon, passons. Ensuite, d'après une récente étude, pardon, les albatros ont tendance à divorcer quand le mâle est timide. Donc, sur cette mauvaise réponse, donc Madame Sarouille est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Clément en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente, mais bon, qui était quelque part facile, entre guillemets, à trouver. En 1795, lors de la bataille du Texel, quel corps de l'armée française a triomphé de la flotte néerlandaise? Donc, flotte, c'est les bateaux. Alors, tu vas dire, bon, bah, la marine, oui, mais comme je dis, quand il y a une question tordue, il faut toujours prendre le truc qui paraît complètement débile. Le truc complètement débile, c'était la cavalerie, et c'était la cavalerie. Donc voilà. Sinon, bah, après, Miss Maboul est venue apporter des cadeaux. Alors, Miss Maboul, il n'y a pas très longtemps, je l'ai vue à vélo, elle était à la porte de la Villette. Son vélo était tout pourri, elle écoutait de la musique. Bah, je pensais qu'elle avait un plus joli vélo, mais bon, peut-être que quand tu habites à Paris, il vaut mieux avoir un vélo tout pourri. Comme ça, au moins, on ne te le pique pas. Donc ensuite, eh bien, Charlène, Céline et Benjamin se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, bah, la première question qui était pas évidente, non, je déconne, dans ce que je suis en train de la chercher, c'est pour ça. Quel terme est le nom d'une plante? La mauvaise réponse était Cochilis. Donc c'est Madame Sarouy qui est passée à l'orange ensuite. Valérie Damido, puis bon, Doc, bon ben voilà, elle est arrivée, elle a fait un peu de promo. Alors comme on la voit plus du tout sur TF1, donc en plus elle fait la gueule parce qu'elle a plus d'émission, donc bon, elle a fait un spectacle. Donc bon, ben, est-ce que c'est drôle ou pas? Donc après, c'est à vous de voir. Donc sur cette. Donc la mauvaise réponse, je sais pas ce que c'était, bon, c'était pas très intéressant. Donc Madame Sarouy est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris, je sais plus son prénom en duel, qui est tombé. Attendez, je regarde son prénom, c'était Benjamin. Voilà. Benjamin en duel, qui est tombé sur une question là, qui était facile, si tu connais un peu le cinéma, qui a reçu un César grâce à Ma Petite Entreprise. Donc tout le monde s'est un peu battu. Donc je crois qu'il est parti sur Alain Bachung, qui avait fait la musique, quoi, même pas. C'est le titre de la chanson, mais qui existait déjà. Et puis après, bon, les autres acteurs étaient dans le film, et c'était assez connu que François Berléand avait reçu un César. Voilà, donc après, donc ça c'était juste une question, c'est même pas une histoire de culture, hein, c'est une histoire de sachoir, hein, voilà. Donc voilà, puis après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé bah, la pupube, hein, donc voilà. Alors pour la pupube, le t-shirt, c'est vraiment trop mignon, avec le panda qui est vraiment trop mignon sur le site tropmignon.com, et puis je reviens après la pub. Les retours de pub et coup fatal. Non, 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 non.
Alors, première question pour la maîtresse de midi, à quel groupe britannique doit-on la chanson Yesterday, les Beatles, pour sa rouille dans la Grèce antique, comment s'appelait une ville? Elle a dit Athènes, c'était la cité. Toujours pour elle, de quel département serait originaire le camembert? Elle a dit la Savoie. Ouais, c'était juste, c'est l'Orne. Ensuite, pour quel film Gérard Depardieu a-t-il été nommé aux Oscars? C'était Cyrano de Bergerac, elle n'a pas trouvé. Au jeu du Poker Hold'em, quel nom de cours d'eau est donné à la cinquième et dernière carte distribuée? C'était la rivière. Quel aliment peut être dit polka ou perdu? Bon, bah, il y a que le pain perdu qu'on connaissait. Ensuite, quelle ancienne Miss France a présenté la cérémonie des Victoires de musique 2023? C'était, je crois que c'est Sophie Talmont, un truc comme ça, ou je ne sais plus, la Miss Bretagne. Hein. Comment appelait-on une personne qui pratique un sport à titre non professionnel? C'était amateur. Pour la maîtresse de midi, enfin une question pour elle. Quelle ville d'Espagne a accueilli le fameux match France-RFA lors du mondial de 1982? Elle n'a pas trouvé, c'était Séville. Quelle est la couleur de la coiffe de la laitière de Vermeer? Elle est partie sur le jaune, c'était le blanc. Quel département français trouve-t-on en changeant une lettre du département de l'Aube? Donc c'était l'Aude. Oui, donc dès qu'elle se plante, toc, une question de bébé, bon c'est pas grave. Pour sa rouille, à quel architecte doit-on la réalisation du nouveau tribunal de Paris? On ne sait pas. Quel est le métier de Warren Beatty dans le film Shampoo? Bah, shampoo, coiffeur. Et à la fin, quelle voyelle ayant la forme du O est située juste avant le pi dans l'alphabet grec? Eh bien, on ne saura jamais. Donc, sur cette mauvaise réponse, c'est bien. Sarouille a été éliminée. La maîtresse de Médu, bon, voilà, toujours aussi avantagée. C'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, quel objet le coiffeur met-il derrière notre nuque quand il nous demande si la coupe nous plaît? C'était le miroir. Quel nom porte le principal allié de Batman? Donc, bien sûr, c'était Robin. Deux questions de bébé. Quel ancien président de la République est le père de Julia? C'était assez connu, bien sûr, c'était Nicolas Sarkozy. Il a Jean-Luc Reichmann, voilà. Et donc, là, je veux pas dire un truc, mais là, c'est de la nanophobie. Là, je sais pas si c'est comme ça, mais là, il se moque des nains. Hein, donc, bon, si, imagine s'il avait été gros, Sarkozy, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait gonflé les joues. Donc, bon, passons. Ensuite, quelle ville est le plus grand port de Rome? Non, pardon. Quelle ville était le grand port de Rome, la Rome antique d'avant l'an 42? Donc, au pif, à la Diostie, c'était ça. Et puis, à la fin, en architecture, comment appelle-t-on une statue de femme faisant office de colonne? Elle a dit l'autre. Et l'autre, ben, c'était la cariatide. Bon, ben, elle a eu. Qu'est-ce qu'elle a eu comme. Bon, elle a eu deux questions un peu difficiles avec le port de Rome et puis celle-là. Mais bon, elle connaissait la dernière. Donc elle a fait un coup de maître. Voilà, elle était contente. Elle a gagné 5 000 balles de plus. Bon, ben, comme dirait l'autre, on s'en fout un peu puisque c'est l'argent de la pub et des appels. Donc si vous n'appelez pas, on s'en fout. Donc voilà. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Bah, j'ai l'impression qu'on voit une machine à écrire. Alors, on ne sait pas pourquoi encore. Donc, bon. Alors, bon, petit scoopito par rapport à l'étoile, puisque, bon, comme vous le savez, j'avais le nom depuis plusieurs semaines, mais bon, comme l'étoile n'avait pas encore été dévoilée. Alors, vous allez rigoler, parce que dans l'étoile mystérieuse, eh bien, c'est une fille, et cette fille a tourné avec. Bah, une personne qui était l'étoile mystérieuse il n'y a pas très longtemps, et cette personne c'était Timothée Chalamet. Vous voyez, on peut les voir tous les deux. Alors, la personne à gauche, alors je ne vous le cache pas, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo il y a plusieurs jours, je ne sais pas qui c'est. Voilà, donc elle s'appelle Zendaya. Je ne l'ai jamais vue au cinéma, donc voilà, bon. Et c'est Zendaya. Alors, je ne sais pas si elle va la trouver. Bon, elle va la trouver, on ne sait pas encore comment, etc., etc. Mais bon. Donc, c'est Zendaya, donc, qui est dans l'histoire, qui est dans l'étoile mystérieuse. Donc, voilà, c'est le petit Scoopito. Je n'ai pas encore la date où elle va trouver le truc. Mais bon, on verra bien. Sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une très, très bonne journée. Et puis, bah, je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.